Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire du cycle Remue-Ménage. Avant de laisser Cédric Frétinier se lancer, nous proposer son analyse, je vais rappeler les petites règles d'usage. Donc la séquence est enregistrée, ça nous permet de la rediffuser. On a coupé vos micros, vos caméras parce que vous êtes nombreux. Et ce qu'on vous propose, c'est un format 45 minutes en gros, hein, avec. Donc l'intervention de Cédric, et puis on se garde 10-15 minutes pour que vous puissiez réagir, poser vos questions dans le chat. Et du coup, je les reprendrai pour faciliter l'échange avec Cédric Frétinier. Alors, l'intitulé de ce webinaire, l'introuvable relation formation-emploi, pourquoi ce sujet? Pour nous aujourd'hui, la formation, c'est le principal levier des politiques publiques d'emploi. Ce qui veut dire qu'elles sont appuyées sur une hypothèse forte d'une relation automatique entre les deux, entre emploi et formation. Et pour nous, ce choix, il a des conséquences. D'une part, il fait peser une responsabilité forte sur les parties prenantes d'un projet de formation, notamment les individus et les organismes de formation. Et puis la deuxième conséquence, c'est qu'on voit qu'il y a une priorisation des fonds de la formation sur les formations qui visent des emplois non pourvus, des emplois en tension, des emplois porteurs. Donc, ça nous paraissait intéressant, important, de réinterroger cette relation. Est-ce qu'elle a été vérifiée? Est-ce qu'elle est là? Est-ce que les choses ne sont pas plus complexes que ça? Voilà pourquoi nous avons souhaité inviter Cédric Frétinier, que je remercie encore d'avoir bien voulu accepter cette invitation. Donc, Cédric, je vais vous laisser ouvrir. Partagez votre analyse sur cette question de fond. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci au Synovdesk pour son invitation. Merci en particulier à Elodie et Jade avec qui j'ai préparé cette séquence. Alors, effectivement, le titre pour un certain nombre d'entre vous, vous est certainement familier, puisque finalement, il reprend un ouvrage qui a eu son heure de gloire au milieu des années 80. Un ouvrage coordonné par Lucie Tanguy qui s'appelait L'introuvable relation formation-emploi, sous-titré Un état des recherches en France. Et cet ouvrage montrait très clairement, on peut dire qu'il démontrait, les raisons pour lesquelles penser là où les relations formation-emploi de manière directe et linéaire étaient en fait une erreur de raisonnement. Ceci étant, force est de constater que 35 ans plus tard, le Synovdes me sollicite pour une intervention autour de ces questions. Et si tel est le cas, ça veut dire une chose évidente, c'est que les résultats de la recherche n'ont guère été pris en considération dans l'espace public, ou plutôt que ces résultats de la recherche, lorsqu'ils entrent en but avec un certain nombre de représentations, eh bien, sont proprement inaudibles. Et c'est ce que je vais essayer aussi de vous montrer, c'est-à-dire que c'est une chose que de montrer que les relations entre formation et emploi ne sont ni directes ni linéaires, qu'il y a donc en fait une introuvable relation formation-emploi au singulier, c'est une chose que de le dire, c'est une chose que de le montrer, voire de le démontrer par des chercheuses et des chercheurs essentiellement relevant de l'économie et de la sociologie. C'est une chose de faire ça, c'en est une autre, effectivement, d'en tirer les conséquences pratico-pratiques. Donc j'essaierai de vous montrer en deux temps, ce sera les deux grands moments de la présentation, ce qu'il en est de cette croyance en une relation formation-emploi qui pourrait être directe et linéaire. J'essaierai ensuite de vous montrer pourquoi, en fait, cette relation, telle qu'on la comprend généralement, n'existe pas. Et avant de passer à la conclusion, j'essaierai d'évoquer la manière dont on peut, peut-être penser différemment, l'articulation entre les domaines d'action sociale qui relèvent de la formation et ceux qui relèvent de l'emploi. Voilà un petit peu le programme ou le projet. Je le redis pour celles et ceux qui pratiquent les milieux de la formation et qui lisent des travaux de recherche sur la formation depuis un certain nombre d'années, voire depuis plusieurs décennies. Vous n'y trouverez rien d'original.
Je n'ai rien de très original à apporter par rapport à ce que un certain nombre de collègues ont pu apporter dès les années 80 ou 90. Mais je le redis, force est de constater que, en tout cas pour les jeunes générations qui exercent dans les milieux de la formation, et en particulier pour les plus jeunes générations de responsables et de décideurs politiques, il semblerait que ces travaux-là et les résultats qu'ils ont donnés soient passés par pertes et profits, et donc se rejouent inlassablement les mêmes débats. Les mêmes discours sont tenus depuis 30 ou 35 ans, avec des mots de vocabulaire qui ont peut-être un peu évolué et qui donnent le sentiment qu'on parle d'autre chose. Mais au fond, ce sont en général les mêmes types de raisonnements qui prévalent et qui étaient déjà mis en exergue par l'ouvrage collectif coordonné par Lucie Tanguy. L'ouvrage qui lui-même traitait de réalité relevant des années 1970 et début des années 80. Donc vous voyez, quand je dis ça fait 35 ans, oui, l'ouvrage a 35 ans. Mais ça fait pas loin de 50 ans, d'un demi-siècle, voire plus, que l'on raisonne avec des formulations qui, en tout cas pour nous, chercheurs et chercheuses, sont erronées. Alors, ce que je vous propose, c'est de dérouler un PowerPoint dont vous verrez qu'il ne comprend que 8 slides, hein, donc ça va aller relativement vite. Surtout que vous avez vu que la première slide, c'est le titre, et que la deuxième slide consiste à présenter qui je suis. Donc on va pouvoir maintenant, dès la troisième, attaquer l'introduction à cette séquence. La première chose qu'il faut dire, et évidemment, je risque de froisser certaines et certains d'entre vous en disant ce que je vais évoquer dans les minutes qui viennent, c'est que, il y a un consensus fort dans nos sociétés occidentales sur les vertus de la formation pour résoudre de nombreux maux sociaux. A priori, au regard des professions que vous exercez, au regard des lieux d'activité professionnelle qui sont les vôtres, au regard du fait que je suis invité par le Synodes, vous devriez partager ce consensus. Or, j'essaierai de vous montrer que ce consensus est quand même fondé sur un certain nombre d'idées qui mériteraient néanmoins d'être discutées. En particulier, et ce que je dis là ne date pas d'hier ou même d'avant-hier, ça fait plusieurs décennies qu'il en est question. Dans l'essentiel de nos sociétés occidentales, donc là je déborde largement le périmètre de la France, la formation est considérée comme un instrument permettant d'accroître la productivité, par exemple, d'adapter la main-d'œuvre au changement technique, autre idée commune. Classiquement, de remédier aux effets du chômage. Et certains considèrent même que la formation peut contribuer à maintenir une forme de cohésion sociale. Vous avez certainement toutes et tous entendu un jour ou l'autre des propos du type une société avec un niveau d'éducation et de formation supérieure à celle que nous connaissons, permettrait de lutter contre certaines formes d'extrémisme politique, par exemple. J'ai régulièrement entendu ce genre de choses, l'idée selon laquelle le vote extrême serait lié à des défauts d'éducation ou de formation des adultes. Et donc, une société bien éduquée ou bien formée permettrait un vivre ensemble de qualité. Donc, la formation est même présumée contribuer à maintenir une cohésion sociale. Ce que je viens d'évoquer là, hein, relève d'une idée reçue. Il n'y a jamais eu aucune étude empirique qui ait attesté d'une correspondance entre le niveau d'éducation et le type de vote pour tel ou tel parti relevant sur l'échiquier politique de l'extrémisme de gauche ou de droite. D'ailleurs, au contraire, les politologues nous montrent que les choses sont bien plus complexes que ce que les idées reçues laisseraient à penser. En tout cas, il y a cette croyance en une vertu en soi de la formation. Alors, comment est-ce que ça s'est noué? Évidemment, ça ne vient pas de nulle part. Ça s'est noué, et on peut le dater très précisément en France, par les travaux du Commissariat général au Plan dans les années 60. Donc, Lucie Tanguy, que je citais tout à l'heure comme coordinatrice de l'ouvrage L'introuvable relation formation-emploi, a dépouillé les archives du Commissariat général au Plan
du début des années 60 et a montré comment finalement cette valorisation de la formation avait pris racine en France, ce qui montre bien que nous sommes sur un phénomène historique. En soi, la formation n'est pas un bien, c'est la manière dont on l'a instrumentée qui en a fait un bien social. Et donc elle montre comment dans les années 60, au tout début des années 60, les membres du commissariat général au plan se posent un certain nombre de questions dans une logique prospective, puisque c'est l'ambition du plan, une logique prospective en matière d'emploi futur de la France, à des horizons qui peuvent varier, 5 ans, 10 ans, mais en général, on se projetait beaucoup plus lointainement encore. Donc, à un horizon de 15 ou 20 ans, quels sont les emplois que l'on imaginait être les emplois à occuper dans le cadre de l'économie française? Et pour ce faire, dans les années 60, on va inventer, il n'y a pas d'autre mot, on va inventer un jeu de correspondance entre des besoins en emploi anticipés et des nécessités de formation à mettre en œuvre pour s'ajuster aux emplois que l'on anticipe pour 15 ou 20 ans. Ce mode de raisonnement qui aujourd'hui nous est familier, il nous est si familier qu'il nous paraît naturel, hein, vous pouvez peut-être à l'écran, je mets mes petits doigts pour signifier qu'il y a des guillemets. Ce mode de raisonnement qui nous paraît si familier, si évident, si naturel, est un mode de raisonnement qui a été inventé dans les années 60. Avant, on ne liait pas aussi étroitement les questions de formation et les questions d'emploi. Et à partir de cette date, les pouvoirs publics ont commencé à raisonner dans des logiques de correspondance, de relation entre formation et emploi, avec cette idée que, d'une manière ou d'une autre, la formation doit correspondre à l'emploi, ou plutôt que les formations doivent répondre aux besoins d'emploi. J'essaierai de vous montrer un petit peu plus tard que, dans ce mode de raisonnement, on introduit un biais, pour pas dire un forçage. On fait comme si la formation et l'emploi relevaient du même registre, comme si on pouvait établir des règles d'équivalence, donc des règles de correspondance entre formation et emploi. On fait comme si la formation, c'était des choux, comme si l'emploi, c'était des choux, alors que, si vous vous souvenez de ce que vous disiez vos instituteurs ou vos professeurs de mathématiques en sixième ou en cinquième, on n'additionne pas des choux et des carottes. Eh bien, la formation, c'est des choux, l'emploi, c'est des carottes, ou l'inverse, hein, selon ce que vous préférez. Mais par un forçage théorique, on a fait comme si on était sur des règles d'équivalence, c'est-à-dire que les propriétés de la formation équivalaient celles de l'emploi, et celles de l'emploi équivalaient celles de la formation, et que donc on pouvait établir des liens de correspondance. J'essaierai de vous montrer pourquoi, en fait, si on le fait au quotidien, d'un point de vue théorique et abstrait, de fait, on force le raisonnement et on n'est pas fidèle à la réalité de ce que sont le domaine d'activité sociale de la formation et ce que sont de l'autre côté les domaines d'activité sociale de l'emploi. Alors, depuis le commissariat général au plan jusqu'au plan d'investissement dans les compétences que vous connaissez bien, il y a effectivement des opérations depuis plus de 60 ans qui visent à relier, articuler, voire, comme je l'ai dit, introduire de strictes correspondances entre les domaines de l'emploi et les domaines de la formation. Donc, ce n'est pas une histoire récente, comme je l'ai également indiqué déjà à plusieurs reprises, mais par la récurrence, la répétition de ces démarches, nous sommes convaincus, comme nous l'étions déjà en 86 lorsque Lucie Tanguy a coordonné l'ouvrage, que nécessairement, formation et emploi sont en relation et qu'il est même non seulement souhaitable, mais mieux encore nécessaire de les lier pour satisfaire aux besoins que j'ai repérés tout à l'heure, c'est-à-dire d'accroissement de la productivité, d'adaptation de la main-d'œuvre, remédiation au chômage, voire même maintien de la cohésion sociale. Alors, sur quoi est fondée cette croyance en une relation directe et linéaire, donc entre formation et emploi? Alors, relation directe, hein, c'est-à-dire que
On est dans une logique bijective où vous avez formation, flèche, emploi. Et elle est linéaire, donc c'est une flèche, un trait continu, ce n'est pas un trait discontinu. Il y a l'idée selon laquelle, oui, formation et emploi peuvent, selon certaines circonstances évidemment, être articulées l'une à l'autre. Et mieux encore, hein, vous m'avez compris, j'espère, beaucoup non seulement nous disent que il est possible de l'articuler, mais évidemment, il est souhaitable, et d'autres ajouteraient même nécessaire, d'articuler formation et emploi. Alors pourquoi cette croyance est-elle si forte, et en quoi cette croyance, enfin, sur quoi cette croyance est-elle fondée? Alors, elle est fondée, c'est la première partie de ma diapositive, sur deux croyances, deux convictions. Deux éléments qui sont généralement peu ou pas discutés, mais qui en fait mériteraient de l'être. On oublie que formation et qualification ne relèvent pas du même registre. Souvent, il y a des glissements sémantiques, comme on dit, des changements de vocabulaire qui font que on identifie des niveaux de formation et des niveaux de qualification. Qu'on dit de personnes dûment formées qu'elles sont qualifiées. En vrai, la formation, effectivement, peut être appréciée par des titres, des diplômes, des certifications ou à minima des attestations. Elle procure des niveaux qui sont pris en compte dans des nomenclatures. Mais la qualification n'est pas le simple décalque du niveau de formation. D'ailleurs, pour prendre un exemple historique, les personnes qui étaient formées en sténo-dactylo pendant de très nombreuses années avaient donc un niveau de formation tout à fait conséquent. Être sténo-dactylo nécessitait une maîtrise technique et de passer les diplômes qui convenaient pour exercer cette activité. Et ça les dotait dans les organisations d'un niveau de qualification reconnu, puisque les sténodactylos prenaient ainsi en note, quasiment de manière, pour celles et ceux qui ont connu cette époque-là, pour moi, de manière quasi magico-religieuse, à travers des prises de notes auxquelles je ne comprenais rien, derrière, ces sténodactylos étaient en capacité de restituer les verbatims en réunion avant que nous ayons les enregistreurs et les retranscripteurs de voix. Et puis, l'informatique professionnelle est passée par là, et puis les logiciels de retranscription sont passés par là, et aujourd'hui, vous doutez bien que l'on dirait d'une sténodactylo qu'elle est peu ou pas qualifiée, ou plutôt qu'elle est carrément déqualifiée, alors que son niveau de formation, n'a pas varié pour autant. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de relation directe et linéaire entre, formation et qualification. De même, vous le savez, la loi de 2018 l'a encore introduit plus fortement à travers l'extension de la définition juridique de l'action de formation, à travers la création, en tout cas, ça existait déjà dans les pratiques, mais à travers la traduction, l'inscription juridique de ce qu'on appelle les AFEST, on voit bien combien désormais les expériences professionnelles, ce que l'on acquiert en situation de travail, qui traditionnellement n'était pas considéré comme de la formation, peut désormais également être source d'expertise, peut être reconnue indépendamment du passage par une formation formelle. Donc on voit bien encore qu'il y a une certaine déconnexion, qu'il n'y a pas de relation directe entre la formation et l'expérience. Alors, pourquoi est-ce que je prends la peine de vous dire tout cela? Ben c'est parce que si mon propos était uniquement un propos académique et théorique, il n'aurait pas grand intérêt. Mais depuis 50 ans au moins, fort de cette double croyance que je viens d'évoquer, les pouvoirs publics, mais pas que les pouvoirs publics, en tirent un certain nombre de conséquences. Car dans les faits, on a beau dire, on a beau faire, ce n'est pas l'adéquation formation-emploi que l'on observe, c'est bien l'inadéquation, pour les raisons que j'ai évoquées et sur lesquelles je vais revenir dans quelques minutes. Mais ça chagrine beaucoup de monde, parce que quand vous êtes dans la croyance selon laquelle il est possible de lier formation et emploi, voire même quand vous pensez qu'il est nécessaire de lier formation et emploi, et que vous observez cette inadéquation,
Vous posez immédiatement la question de savoir qui est fautif, qui est responsable, pourquoi diable n'y a-t-il pas adéquation entre formation et emploi? Alors, ce que je vous ai mis là, vous le connaissez par cœur, et j'ai fait exprès de mettre le système éducatif, pas l'école, même si évidemment c'est plutôt l'école et l'éducation nationale qui est mise sur le banc des accusés, mais c'est plus généralement l'ensemble des acteurs de la formation qui sont assez régulièrement accusés de quoi? Eh bien, de ne pas former ou insuffisamment les futurs travailleurs qualifiés dont l'économie a besoin. Donc, vous savez, les fameuses filières sans débouchés, comme on dit, les stages parking et autres joyeusetés dont on parlait dans les années 80 et 90, comme s'il y avait des formations qui préparaient à l'emploi dans une logique adéquationniste et des formations qui ne servaient à rien. Et puis, de même que le système éducatif est présumé pour certains pas suffisamment correctement formé, il est aussi souvent présumé ne pas suffisamment doter les futurs travailleurs ou les travailleurs en reconversion professionnelle hein, des expériences nécessaires pour l'accès aux emplois qu'offre l'économie. D'où, vous l'avez également vu, depuis 20, 30, 40 ans, l'arrivée massive dans toutes les formations, en formation initiale comme en formation continue, de séquences de stage en entreprise, comme si, là encore, ça mériterait d'être interrogé, comme si les séquences de stage en entreprise par eux-mêmes avaient une vertu formative. On considère souvent ça, alors qu'en fait, c'est un implicite de raisonnement. Et si ça vous amuse, vous pourrez lire les travaux de mon collègue Dominique Gleman, qui est professeur émérite maintenant, à l'université d'Évry-Val-d'Essonne et qui a montré que, évidemment, les stages ne sont pas en toutes circonstances formateurs et que donc les vertus du stage en entreprise méritent également d'être interrogées. Alors, je n'ai pas encore employé ce mot, cette expression, j'ai attendu qu'il soit 9h30, que vous soyez parfaitement réveillé. En vrai, il est question d'une déconnexion ontologique entre formation et emploi. Alors, ça veut dire quoi? L'ontologie, c'est un mot de vocabulaire qui relève de la philosophie et qui renvoie à l'essence des choses. Eh bien, par essence, formation et emploi se distinguent. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure à travers l'image beaucoup plus familière des choux et des carottes. Ontologiquement, un chou n'est pas une carotte. Ontologiquement, une carotte n'est pas un chou. Eh bien, il en va de même pour la formation et l'emploi. Et c'est pour ça qu'il y a cette inadéquation entre formation et emploi, c'est que de fait, l'adéquation directe et linéaire est rendue impossible par le fait même que nous sommes sur des domaines d'activité sociale qui se distinguent, des domaines d'activité sociale qui ne sont pas, par nature, par essence, les mêmes. Alors, deux grandes idées classiques aussi, hein, je n'invente rien, certaines d'entre vous ont déjà rencontré ce type de raisonnement. Rappeler tout de même l'autonomie relative des faits éducatifs par rapport aux faits productifs. La formation et l'emploi ne sont pas effectivement en miroir l'un de l'autre. Chacune, et je vais y revenir un petit peu plus bas, chacune a ses temporalités, ses logiques et ses finalités. Et il y a par ailleurs des spécificités de ce qu'on appelait, dans un vocabulaire marxiste, le procès de formation, c'est-à-dire qu'il y a des spécificités à l'acte de formation qui le distingue néanmoins de l'acte de production. D'où tout de même l'interrogation que nous devons avoir vis-à-vis de cette idée un peu simple véhiculée par la loi de 2018 selon laquelle finalement en situation de travail, ce serait quasi équivalent à ce qui se passe en situation de formation, hein, notamment avec les AFEST et autres. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de vertu formative au travail, hein, vous ne me ferez pas dire ce que je ne veux pas dire. Mais par contre, on ne peut pas considérer a priori qu'il y a des vertus formatives au travail. Le procès de formation répond à des logiques, des temporalités, des finalités distinctes du procès de production. Donc, on apprend en travaillant, bien sûr. Mais d'abord et avant tout, on travaille dans un cadre qui est souvent un cadre salarial fondé sur une logique de subordination.
on n'est pas exactement dans le même registre que dans le registre du procès de formation. Deuxième élément que je voulais évoquer, c'est quand même rappeler que celles et ceux qui sont chagrinés, voire plus, par l'inadéquation entre formation et emploi, oublient, sciemment ou non, en tout cas font comme si il n'y avait pas des temporalités, des logiques et des finalités distinctes entre formation et emploi. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, puisque vous travaillez nécessairement plus encore que moi au contact des milieux dits professionnels et employeurs, même si évidemment vous-même, vous êtes des professionnels exerçant dans des milieux professionnels et vous êtes peut-être pour certains d'entre vous dans des fonctions d'employeur, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes prestataire de formation auprès de certaines personnes. Et donc, dans les milieux dits professionnels, les temporalités en matière d'emploi sont fondées sur des logiques court-termistes et, dans le meilleur des cas, de moyen terme. Les employeurs raisonnent selon des temporalités relativement courtes et on ne peut pas leur en faire grief, hein. Je n'ai aucun jugement à porter sur ces questions-là. Le système éducatif, au sens générique du terme, mais qui comprend le système, qui comprend les acteurs de la formation continue, sont sur des temporalités de moyen ou, pour le système éducatif en tout cas, l'école, de long terme. Donc déjà, il y a un désajustement, une déconnexion entre les rythmes et les temporalités des uns et des autres. Les logiques. Eh bien, dans un cas, effectivement, nous sommes dans des logiques productives. Qu'on le veuille ou non, qu'on le regrette ou non, qu'on s'en réjouisse ou non, si on raisonne par rapport aux entreprises privées dans les sociétés qui sont les nôtres, les entreprises sont des centres de profit. Et dire ça, ce n'est pas non plus leur faire injure. L'objectif est de dégager un certain nombre de marges, qu'on appelle bénéfices, à défaut de quoi l'entreprise ne serait pas viable. Donc on est sur des logiques économiques tout à fait respectables. Je n'ai pas non plus à me prononcer sur la question, en tout cas tout à fait audibles au regard du contexte dans lequel nous sommes. Là où, dans le cadre du système de formation, les logiques qui valent auprès de celles et ceux qu'on appelle les élèves en formation initiale ou les apprenants, les apprenantes en formation continue, sont des logiques d'une autre nature. Quant aux finalités, bien sûr, on peut parler d'entreprise citoyenne. Bien sûr, on peut parler de développement personnel en entreprise. On y trouve aussi pas que du développement professionnel. Mais la finalité première pour l'entreprise est bien une finalité de type socio-économique. Là où le système éducatif au sens large, et là ça renvoie je crois très expressément et très explicitement au plaidoyer qui m'a été transmis et à son titre, il suffit de prendre le titre du plaidoyer du Synovdes, on y trouve associé des finalités d'ordre socio-économique bien sûr, mais aussi des finalités d'ordre sociopolitique et même des finalités d'ordre socioculturel, c'est-à-dire que la formation vise bien évidemment à s'inscrire dans un contexte économique et on ne peut pas en faire abstraction. Mais l'ambition de la formation est aussi, comme on disait à une certaine époque, de former l'honnête homme, au XVIIIe siècle, finalité socioculturelle. Et puis, il y a aussi une ambition de formation du citoyen, ou en tout cas de formation à la réflexivité, de prise de recul, une formation plus sociopolitique. Donc on voit bien que, on est sur des registres, des temporalités, des logiques et des finalités qui ne sont pas équivalentes. Alors avant d'en arriver à ma conclusion, comme ça nous aurons du temps pour la discussion, je voudrais rappeler deux, trois choses qui fâchent peut-être, mais qui sont néanmoins, à mon avis, nécessaires à rappeler. La première chose, c'est que on a tendance à beaucoup mettre l'accent dans cette relation ou ces relations entre formation et emploi sur la formation. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les pouvoirs publics peuvent jouer
avec le levier formation, plus difficilement avec le levier emploi. Donc, on met le paquet, si je puis me permettre, sur la formation. On met beaucoup l'accent sur les apprenants et les apprenantes, la nécessité de les former pour assurer un développement de compétences. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein. Mais je vais quand même rappeler que la formation ne crée pas l'emploi. Que donc, c'est aussi une manière indirecte de polariser autant sur la formation, indirecte ou directe d'ailleurs, de ne pas se saisir à bras le corps de ce problème qui est que la formation ne crée pas l'emploi. Alors, je sais bien que depuis un an et demi, on nous parle d'un taux de chômage historiquement bas. On nous parle effectivement des difficultés de recrutement dans un certain nombre de secteurs d'activité, chose dont j'ai fort peu entendu parler depuis 20 ans que je travaille sur ces questions. Traditionnellement, on était plutôt sur un registre de, je simplifie, hein, 3 millions de chômeurs pour 300 000 emplois non pourvus. Donc on mettait souvent l'accent sur les 300 000 emplois non pourvus, mais enfin, les 3 millions de chômeurs. Certes, les chiffres ne sont plus exactement ceux-là. Néanmoins, s'il y a des emplois qui sont toujours non pourvus, fort est de constater que le taux de chômage, le nombre de demandeurs d'emploi, excède encore celui du nombre d'emplois non pourvus. Et que donc, même si ces emplois étaient pourvus, ce qui pourrait être éventuellement souhaité et souhaitable, la question ne serait pas résolue pour autant. Donc, première dimension, quand même, la formation ne crée pas l'emploi. Il faudrait peut-être regarder un petit peu plus attentivement ce qui joue du côté de l'emploi. Deuxièmement, interroger la volumétrie et la qualité de l'emploi. Donc, la volumétrie, c'est effectivement de se dire qu'il y a quand même encore, quoi qu'on en dise, un désajustement, un écart entre le nombre d'emplois à pourvoir et le nombre de personnes qui seraient en capacité de les pourvoir. Et puis, bon, ce que je dis là n'a rien de très original. Même les fédérations employeurs ont fini par l'exprimer publiquement. Ça a dû être difficile. Mais un certain nombre de fédérations employeurs, notamment dans l'hôtellerie et la restauration, ont fini par concéder quand même que du point de vue de la qualité des emplois proposés, sans rien dire des salaires, il y avait peut-être des efforts à faire pour que leurs emplois puissent être pourvus. Vous voyez, il ne s'agit pas uniquement de former les gens pour qu'ils travaillent dans l'hôtellerie et la restauration. Encore faudrait-il effectivement que la qualité de l'emploi et les salaires proposés permettent de satisfaire aux attentes des personnes qui seraient susceptibles d'occuper ces emplois. Avant d'en arriver à ma conclusion, et je pense que ce que je vais dire là devrait comment dirais-je, obtenir de votre part un certain accord, puisque en lisant et en relisant les quelques pages du plaidoyer que vous avez produit, il me semble qu'on est globalement en phase. La première chose, c'est rappeler qu'effectivement, et encore une fois, il ne s'agit pas d'en faire grief au milieu professionnel, mais qu'il y a structurellement des incertitudes en termes de prospective d'emploi. Le problème, c'est qu'en même temps que les milieux professionnels disent cela, ils ont des attentes de formation court-termiste, d'adaptation à l'emploi, ici et maintenant. Donc en même temps qu'ils nous disent on n'y voit pas clair à 5 ou 10 ans, ils ont des attentes, pour ne pas dire des exigences, qu'on leur fournisse la main-d'œuvre dont ils ont besoin aujourd'hui et maintenant. Sachant qu'on n'est pas du tout certain que ces formations ultra spécialisées qui leur seront proposées, qui permettront d'accéder à l'emploi, permettront aux apprenantes et aux apprenants de continuer à être en emploi dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc je crois qu'il est important de rappeler cela. Et donc ça pose la question des adaptations de court terme ou du développement professionnel à moyen, voire je ne l'ai pas mis, je n'ai même pas osé, sinon on m'aurait dit vous êtes un doux utopiste, du développement professionnel à long terme. Et c'est l'un des enjeux, effectivement, d'une structure comme le Synovdes et de ses adhérents, que de lutter, hein, je crois qu'il faut employer les mots, de lutter pour que des acteurs du champ de la formation fassent valoir l'idée que
Si on peut avoir le sentiment que l'on gagne quand on adapte à court terme des demandeurs d'emploi, des salariés, aux emplois qui sont à pourvoir immédiatement, quelque chose qui est possible, tout le monde est en capacité de faire ça avec des méthodologies diverses et variées, il y a quand même un enjeu de réflexion sur le développement professionnel de ces salariés à moyen terme. Et au regard des incertitudes en termes de prospective d'emploi, de se poser quand même la question, est-ce que ce dont on les dote aujourd'hui leur sera utile en cas de nécessité de reconversion professionnelle ou de modification de leur activité professionnelle actuelle? J'en arrive donc à ma conclusion en deux temps. Vous l'aurez compris, je ne fais pas partie de celles et ceux qui pensent que la formation est un remède à tout. Je ne fais pas non plus partie de ceux qui jettent le bébé avec l'eau du bain. Donc, même si des gens comme moi sont souvent taxés par un certain nombre de personnes d'être, vous savez, les fameux déclinologues, hein, les chercheurs en sciences sociales sont les déclinologues, c'est des gens tristes, c'est des gens pessimistes, vraiment, enfin, des gens qui vous filent le bourdon, quoi. Faut pas fréquenter des gens comme moi. Je me demande même pourquoi ce matin à 9 h vous vous êtes connecté. Enfin bref, c'est votre choix, je le respecte. Donc, non, je ne suis pas un déclinologue, j'essaie juste d'être un chercheur qui essaie avec circonspection, et surtout en se fondant sur des données empiriques dont je vous ai fait grâce ce matin pour ne pas vous embêter, d'essayer de faire des analyses qui à la fois ne relèvent pas de l'utopie folle et totalement fantasmatique, sans pour autant décrire des scénarios catastrophes qui seraient également aussi fantasmatiques. Donc première idée de ma conclusion, effectivement, ne pas attendre de la formation qu'elle résolve les problèmes d'emploi. C'est une croyance folle hein, qui existe en France depuis longtemps et au moins depuis le début des années 80. Pour certains d'entre vous, vous avez connu cette époque où un certain nombre de décideurs politiques français, accompagnés de hauts fonctionnaires, au début des années 80, se rendent au Japon, découvrent que la quasi-totalité de la population japonaise est titulaire de l'équivalent du baccalauréat et que le taux de chômage est quasi équivalent à zéro. Ah, donc on se dit, bah voilà, il suffit d'élever le niveau de formation pour lutter contre les problèmes d'emploi. Alors le raisonnement par l'absurde, puisque je suis assez familier de ce type de raisonnement et que j'aime beaucoup le théâtre de l'absurde, consisterait à dire, et si nous étions toutes et tous docteurs en ceci ou en cela, croyez-vous que les problèmes d'emploi seraient résolus pour autant? Il ne faut pas non plus s'imaginer, parce que moi qui aujourd'hui, après avoir fait mes premières années en sociologie, suis chercheur, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation et de la formation, je rencontre beaucoup de mes collègues ou un certain nombre d'acteurs qui ont une conception totalement irénique de la formation et qui s'imaginent effectivement que, parce qu'ils s'intéressent à ces questions-là, la société française, l'économie française va devenir une économie de la connaissance, que plus généralement la vieille Europe, conformément à ce que la communauté européenne souhaitait dans les années 90, basculerait d'un modèle industriel vers un modèle d'économie de la connaissance. L'épisode Covid nous a rappelé à la réalité quand on a vu qu'on était dans l'incapacité de sortir les produits de première nécessité pour prendre en charge la Covid. Il ne faut pas non plus imaginer que nous allons devenir une économie uniquement numérique. En tout cas, ce n'est pas la formation qui va nous permettre cela. En revanche, la formation peut contribuer à la réflexivité sur les pratiques professionnelles. C'est finalement ce qui a toujours été le cas pour celles et ceux d'entre vous qui ont plusieurs décennies derrière eux ou derrière elles dans les métiers de la formation. Vous le savez très bien parce que quelles que soient les méthodologies qui ont été développées depuis les méthodologies autour de la dynamique des groupes restreints, pour parler de choses très très anciennes, jusqu'aux méthodologies plus classique désormais de groupe d'analyse de pratique, mais j'en oublie évidemment,
Vous savez très bien que la formation peut effectivement contribuer à la réflexivité sur les pratiques professionnelles. Et là, pour le coup, les travaux de chercheurs et de chercheuses en sciences sociales montrent que des professionnels plus réflexifs sont en général des professionnels qui rendent une contribution productive plus efficace. Et puis, on peut attendre de la formation qu'elle participe au développement professionnel. Après tout, on est aussi fondé à décaler le regard et pas toujours polarisé sur les attentes des prescripteurs, pardonnez-moi, les attentes des pouvoirs publics vis-à-vis des demandeurs d'emploi, les attentes des employeurs privés vis-à-vis des salariés. Et je crois que le Synovdès s'y tient. On peut aussi regarder ce que la formation fait aux personnes qui suivent les actions de formation, quelle qu'en soit la nature. Et on peut tout de même considérer qu'il est important de continuer à œuvrer au développement professionnel des femmes et des hommes, quel qu'en soit le statut qui suivent des actions de formation. C'est aussi quelque chose dont les professionnels de la formation peuvent continuer à s'honorer. Il n'y a pas tant d'activités dans l'espace social auxquelles nous nous astreignons souvent qui permettent un développement, qu'il soit professionnel ou personnel. Voilà, en une demi-heure, j'avais 45 minutes, mais comme ça nous permettra d'avoir un petit peu plus de temps de discussion. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous en ce début de matinée. Et même si la règle du jeu veut qu'effectivement vos écrans soit noir, ce qui est évidemment le problème des webinaires. Hein. Les séminaires avaient au moins cette qualité qu'on voyait les gens en vrai. Et bah, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, Elodie va reprendre la main, à interagir. Je crois que c'est via le fil de la discussion. Sinon, Elodie a prévu un certain nombre de questions si besoin. Voilà, merci à vous. Merci Cédric. C'est très intéressant. C'est vrai que ça fait tout. Ah, je crois qu'il y a. Oui, merci. Ça fait écho à un certain nombre de sujets qu'on porte et de positions qu'on a. Peut-être qu'on peut. Jade, je te propose qu'on ouvre les micros parce que je pense que c'est intéressant là d'être dans un échange direct, hein. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre la parole. Peut-être avant, je voudrais effectivement reposer le fait que c'est vrai que ça fait longtemps qu'au Synodès, on défend l'idée que la formation ne se limite pas à la réponse aux besoins économiques, hein, et qu'elle recouvre d'autres. Elle doit recouvrir d'autres besoins et ça, on le traduit notamment par une demande forte sur, bah, par exemple, sur le sujet des transitions professionnelles. Hein. Pour nous, aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que la loi 2018, même si elle pose, bon, elle pose, d'ailleurs, elle s'intitule, hein, choisir, enfin, mince, libérer, choisir la liberté individuelle pour la formation, excusez-moi. Et pour nous, cet intitulé est assez paradoxal et pas tout à fait vérifié. Et nous, on plaide pour que les fonds de la formation pour les transitions professionnelles soient ouverts bien au-delà des seuls besoins de l'économie. On s'interroge aussi, selon nous, comment dire, le système global, hein, de la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas réussi à trouver. La solution, la réponse entre la réponse à une demande individuelle et puis la réponse à une demande collective qui se joue notamment dans la négociation au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semble intéressant à interroger. On va proposer, on organise une matinale le 10 juin et l'une des tables rondes sera consacrée à cette question. Il nous semble que c'est important, nécessaire de repenser l'ensemble du système et non pas dispositif après dispositif pour essayer de trouver à résoudre en fait cette équation entre demande individuelle et demande sociale. Alors, je ne sais pas si certains veulent réagir directement, mais sinon, ce serait peut-être ça ma première question. C'est comment justement on fait comment on peut articuler la demande individuelle? Et notamment une demande d'émancipation à des individus, et puis le besoin de l'entreprise. Peut-être Cédric, je vous laisse peut-être rebondir là-dessus, et puis en attendant Ouais. que certains puissent Alors, réagir. juste pour parce que vous avez tendu une perche néanmoins.
Sur la date 2018, il faut bien comprendre que l'intitulé lui-même de la loi est une véritable escroquerie. Ah, une escroquerie intellectuelle, on s'entend. Je ne dis pas une escroquerie tout court, une escroquerie intellectuelle. Pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Pour la liberté de choisir. C'est-à-dire qu'en fait, on fait comme si vous, moi, l'ensemble des acteurs sociaux, nous étions, comme dirait le philosophe Leibniz, de simples monades en apesanteur, et que nous étions parfaitement fondés, libres, et que nous avions d'ailleurs tous les pouvoirs de choisir en conscience et librement de notre avenir. C'est une gifle, adressée à, je sais pas, 150 ans de travaux de sciences sociales, qui montrent qu'effectivement, nous ne sommes pas des monades, nous ne sommes pas des individus en apesanteur, nous sommes des êtres sociaux qui nous inscrivons dans des contextes sociaux, des collectifs. Il ne s'agit pas d'être dans une logique déterministe, hein, de dire que la société, c'est fini ces choses-là. Mais néanmoins, il y a au fond une escroquerie intellectuelle d'emblée, et qui se rejoue derrière. Eh bien, ce que vous savez toutes et tous, hein, la fameuse application qui fait que, et la monétisation du CPF qui fait que vous êtes présumé être comme le consommateur en capacité de calculer très précisément et d'arbitrer en fonction des offres qui vous sont présentées. Bref, on est sur un schéma qui relève des théories néoclassiques les plus traditionnelles qu'il soit, qui ont été déjà et depuis bien longtemps contestées parce que empiriquement elles ne correspondent pas à la réalité. Donc on est quand même dans ce contexte-là qui pose de nombreuses questions. Alors, pour en venir à votre question, Élodie, qui est celle de la réconciliation des intérêts des individus qui souvent ont eux-mêmes des intérêts économiques, mais pas seulement, et les intérêts économiques et qui peuvent être portés par les milieux employeurs. Vous comprendrez que je n'ai pas de réponse en qualité de chercheur, sauf à dire que l'histoire nous montre que ça ne se résout pas nécessairement de façon harmonieuse. Pas s'imaginer qu'il y ait une formule qui permette, dans l'absolu, de réconcilier ces intérêts qui ne sont pas nécessairement convergents. Et c'est donc tout l'enjeu de ce que l'on appelle la négociation sociale, qu'elle se situe au niveau de l'entreprise, de la branche, des interbranches ou des négociations au niveau national via les accords nationaux interprofessionnels. C'est plutôt sur ce terrain-là, je pense, que les choses se situent. Si j'allais plus loin dans ma réflexion et dans mon analyse, je vous donnerais un point de vue de citoyen, c'est-à-dire que selon que vous êtes plutôt proche de telle orientation, vous allez considérer qu'il y a une convergence possible. D'autres insisteront plutôt sur une divergence, d'autres encore plus radicaux insisteraient sur plus qu'une divergence, une contradiction, comme disaient les marxistes à une certaine période. Donc le chercheur n'a pas à se prononcer sur les conditions de réalisation de cette possible réconciliation entre les intérêts des uns et les intérêts des autres, sauf à énoncer effectivement que dans notre modèle français, en tout cas, c'est par la négociation collective que les choses se jouent traditionnellement, même si, via la loi de 2018, il y a quand même une inclination, une tendance à vouloir faire en sorte que les choses se jouent au niveau des individus eux-mêmes. Et là, par contre, ce n'est pas faire œuvre de politique politicienne que de le dire. Les travaux de sciences sociales le montrent. On est toujours moins fort quand on est seul que quand on s'inscrit dans le cadre de collectif. Merci Cédric. Alors il y a plusieurs questions. Il y a Jean qui souhaitait intervenir. Oui, merci Elodie, merci Cédric pour cette présentation tout à fait intéressante. Deux remarques et une question. La première remarque, c'est que vous parlez de la formation initiale, de la formation continue un petit peu au même niveau. Alors je pense qu'il y a une différenciation forte entre
la problématique d'évolution de la formation initiale par rapport à la formation continue. Ma deuxième remarque, c'est que, effectivement, vous l'avez souligné dans vos propos, ça concerne essentiellement les adultes peu qualifiés. Hein, ce problème d'adéquation entre emploi et formation concerne essentiellement les adultes peu qualifiés, qui sont les plus nombreux en France, comme dans tous les pays de l'OCDE. Et donc, ma question, c'est, ne pensez-vous pas que, avant de parler d'équation entre emploi et formation, il faudrait faire un travail de fond et le généraliser, parce que je sais qu'il existe, sur le travail de la reconnaissance de la personne apprenante. Le mot reconnaissance n'a pas été cité, et je pense que c'est une des solutions pour travailler sur cette adéquation entre emploi et formation, c'est-à-dire de mettre l'accent, en particulier pour les adultes peu qualifiés, sur la reconnaissance de sa capacité à apprendre. Alors, je n'ai pas effectivement prononcé le mot reconnaissance. Alors, pour deux raisons que j'assume hein, volontiers. La première, c'est qu'effectivement, dans la manière dont j'appréhende les choses, je ne me situe pas nécessairement dans ce qu'on appelle le paradigme de la reconnaissance, qui a été beaucoup travaillé depuis une vingtaine d'années et qui a été mise à l'épreuve, notamment à travers la validation des acquis de l'expérience en France, mais plus généralement, les processus de RVAE, de reconnaissance et de validation des acquis de l'expérience, hein, c'est le terme générique, parce que selon les pays, les termes sont différents. Alors, pourquoi je ne travaille pas le paradigme de la reconnaissance? Parce que je n'ai rien contre, c'est juste que les manières dont j'entre dans les sujets ne m'invite pas à la mobiliser. Donc ce n'est pas une mise à distance, ce n'est pas une critique que je formulerai aux collègues qui mobilisent l'approche par la reconnaissance, hein, qui n'est pas de méprise là-dessus. C'est juste que dans les approches qui sont les miennes, ce n'est pas le plus heuristique, comme on dit dans le jargon académique, ce ne sont pas les grilles de lecture qui me sont les plus familiers. Alors maintenant, si on vient sur la reconnaissance, pas au sens académique du terme, mais justement la reconnaissance dans les espaces professionnels et la manière dont elle est ou pas, dont on reconnaît ou pas les apprenants, les apprenantes, et surtout de la manière dont on reconnaît les apprentissages qu'ils ou elles font, que ce soit dans l'espace professionnel ou au-delà. Alors, vous le savez, Jean, qu'on a mis beaucoup, enfin, pas forcément moi, mais on a fondé beaucoup d'espoir sur la validation des acquis de l'expérience avec la loi de modernisation sociale en 2002. Et 20 ans plus tard, force est de constater que quand on regarde les données chiffrées, on est très loin du compte. Donc ça ne veut pas dire que ça n'aura pas été profitable à celles et ceux qui en auront bénéficié. Ça ne veut pas dire que celles et ceux qui se seront mobilisés n'auront pas mis tout leur poids dans la bataille pour que la validation des acquis de l'expérience devienne quelque chose de plus général que cela ne l'est actuellement. Je comprenez bien, je n'ai aucune réserve. J'ai même fait partie des universitaires qui ont poussé très fort pour que la validation des acquis de l'expérience soit, même si elle était déjà inscrite dans le droit, mais soit réellement mise en pratique à l'université. Et dans la faculté dans laquelle je suis, on a même été jusqu'à faire du doctorat par la validation des acquis de l'expérience. Donc je n'ai aucune réserve envers ce dispositif, mais là encore, force est de constater que dans l'espace social, cette reconnaissance via le dispositif de la VAE a été rendue très difficile finalement depuis 20 ans. Donc pour moi, dans votre question, en fait, il y a un double enjeu. Il y a un enjeu qui est un enjeu de perspective, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement, si on rentre par une interrogation par la reconnaissance, on accède à des éléments de connaissance auxquels, je le reconnais bien volontiers, on accède peu à travers les démarches qui sont les miennes. Et deuxièmement, c'est si on se saisit des processus de reconnaissance tels qu'ils existent aujourd'hui dans l'espace social et qu'on regarde ce qu'il en est, qu'est-ce que ça donne? Et aujourd'hui, force est de constater que via la VAE, ça n'a pas donné les résultats voulus. Et on va voir ce que ça va donner via la FEST, c'est-à-dire qu'on va regarder. Il est prématuré de le faire. Hein. Si ça vous amuse, vous avez un petit texte qui a été publié dernièrement par un collègue qui s'appelle Emmanuel de Lescure, qui pose les termes académiques des analyses à venir des AFEST, mais en disant que finalement, pour l'instant,
c'est trop récent pour que l'on puisse en tirer des conséquences. Il faudra voir effectivement dans quelle mesure on va aussi reconnaître les apprentissages et les apprenants à travers ce qu'ils apprennent en situation de travail. Donc, j'ai bien conscience que ma réponse est loin de là pleinement satisfaisante, mais je ne vais pas non plus vous dire oui, la reconnaissance, alors qu'en vrai, ce n'est pas la grille de lecture, la grille d'analyse que j'adopte ordinairement. Frédéric Danartigue aussi souhaitait réagir. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Alors moi, juste, ça m'évoque quand même la difficulté à fonctionner avec les pouvoirs publics et à s'entendre sur peut-être des alternatives ou des expériences qui pourraient être menées pour aller vers d'autres logiques que cette nécessaire attente de l'adéquation entre objectifs de formation et emploi. Et d'abord, ma première question, c'était de savoir s'il existe des expériences, s'il y a des choses qui ont été menées sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Vous avez cité tout à l'heure un de vos collègues dont j'ai malheureusement dû écorcher le nom parce que je ne le retrouve pas, qui a travaillé sur les stages en entreprise. Voilà, si vous pouvez donner le nom Oui, alors exact. Dominique Gleman, Glaymann, Glaymann, Dominique Gleman. Ok, ouais, c'était pas du tout comme ça que je l'avais noté. Et ensuite, ma deuxième question, c'était alors peut-être plus vers le Synodes, c'était de savoir s'il y avait des liens, des choses qui avaient été menées avec le RTS, qui est le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Bon, qui certes regroupe pas énormément de collectivités, puisqu'aujourd'hui c'est 180 collectivités en France qui adhèrent à ce réseau, mais qui me semble-t-il pourrait être un terrain intéressant pour essayer de voir s'il n'y a pas des choses à mener, pour essayer de faire bouger, parce que quand même là, c'est le débat est éminemment politique et si on ne co-construit pas avec les politiques publiques, on a quand même beaucoup beaucoup de freins, voilà, qui vont se poser à nous. J'y vais, Cédric. Oui, Nous, allez-y. ce qu'on plaide depuis longtemps, c'est qu'il y ait, alors pas uniquement sur cette question, mais elle est quand même importante, c'est qu'il y ait un vrai investissement dans la recherche autour de la formation, qui est un champ pour nous qui devrait relever de l'interdisciplinaire d'ailleurs. Tant voilà, il couvre des sujets vastes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a porté à plusieurs reprises auprès des différents ministres. Mais effectivement, on a aussi probablement des choses à penser nous-mêmes. Je vois dans le chat hein, qu'il y a des propositions. Je vois Yvernon. Hein, pourquoi ne pas analyser l'inadéquation en suivant des cohortes, des témoignages? C'est vrai qu'on a des choses à démontrer. On peut aussi l'aborder sous l'angle du ROI, c'est-à-dire quels seraient nous, comment on définirait nous, acteurs de la formation, les critères d'évaluation de l'efficacité de la formation, pour éviter justement les biais que vous observez tous dans les demandes de reporting qui vous sont faites. Donc oui, il y a des sujets sur lesquels on peut, je crois, être force de proposition. Mais il y a aussi un champ, je pense, de recherche à investiguer. Et là, voilà, ça, là, je crois qu'il faudrait vraiment un appui des pouvoirs publics là-dessus. Est-ce que d'autres personnes souhaitent rebondir? Je voyais Olivier Robert qui posait la question du lien, de la corrélation. Alors, je vais lire votre question. Il existe un lien de corrélation entre le niveau de vie d'un pays et son niveau d'éducation, mais y a-t-il un lien de causalité? Donc ça fait référence, Cédric, à ce que vous évoquiez au démarrage de votre intervention. Oui, alors ça c'est aussi, alors, je ne vais pas le faire ici, mais je le fais régulièrement en cours. Les étudiantes et les étudiants confondent corrélation et causalité. Donc, je vous donne un autre exemple. Régulièrement, vous avez des salons de la formation professionnelle auxquels vous participez certainement, et il y a souvent des slogans qui expliquent aux apprenantes et aux apprenants que le passage en formation va permettre non seulement de se développer professionnellement, mais évidemment d'avoir un gain salarial supérieur. Et en fait, il y a une relation entre passage en formation et évolution professionnelle, mais qui n'est pas un lien de causalité,
qui est un lien de corrélation. Et d'ailleurs, c'est comme la poule et l'œuf, on ne sait jamais très très bien ce qui est premier. Puisque dans de nombreuses circonstances, le passage en formation n'est qu'une traduction, pourrait-on dire, pour l'employeur, d'une décision préalable de promotion, mais pour le justifier et le légitimer, notamment auprès des équipes, on accompagne cela d'un passage en formation. Donc la promotion professionnelle ne découle pas nécessairement de la formation. La formation, même si elle est première d'un point de vue chronologique, en fait, ne fait que traduire une volonté expresse de l'employeur de promouvoir la personne. Donc, les relations entre formation et emploi sont effectivement bivalentes, voire même parfois ambivalentes, et on n'établit pas de lien de causalité. Je vous dis ça d'autant plus facilement que les économètres de la DARES, donc le ministère du Travail, qui sont quand même des gens très sérieux, hein, qui produisent des chiffres du matin au soir, lorsque vous lisez leurs travaux sur les questions d'articulation formation-emploi. Alors, évidemment, si vous lisez uniquement les documents statistiques, ça paraît particulièrement robuste, mais quand vous lisez les commentaires qualitatifs qu'ils en font, ils utilisent assez fréquemment du conditionnel, et effectivement, ils parlent de lien de corrélation et non pas de lien de causalité. Donc, sur ces sujets-là, là encore, il faut beaucoup, beaucoup de prudence et faire attention à ne pas prendre des discours établis et énoncés notamment par les pouvoirs publics comme fait acquis. Voilà, je suis navré de le dire, mais bien souvent, nous sommes sur le registre du discours et non pas sur le registre de choses qui ont été confirmées empiriquement. Et puisque j'ai la parole, j'en profite juste, puisque je n'ai pas répondu à la question précédente. Sur les expériences alternatives ou autres, aux logiques adéquationnistes. Mais en fait, on a des résultats de recherche qui sont sans ambiguïté. Alors là, on va revenir sur la formation initiale, mais il faudrait le faire sur la formation continue. Le CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, depuis 25 ans, fait des enquêtes dites génération, où ils suivent des cohortes de diplômés, alors pas que de l'enseignement supérieur, mais des cohortes de diplômés, pour connaître leur insertion professionnelle. Et justement, ce qu'ils mettent en exergue, mais ça avait déjà été démontré théoriquement par José Rose à Nancy il y a 25 ou 30 ans, c'est que le problème n'est pas celui de l'insertion professionnelle en tant que telle, c'est-à-dire que la question n'est pas celui du premier emploi, c'est la question effectivement de la stabilisation professionnelle. C'est le moment où vous occupez un emploi qui va s'avérer durable. Et ce que l'on observe, c'est que les formations professionnelles ou professionnalisantes infra-bac ou postérieures au bac, si vous regardez les taux de placement 6 mois ou 9 mois après la sortie des études, oui, ça donne des résultats bien meilleurs que des formations entre guillemets plus généralistes. Mais si vous regardez les choses à 5 ans ou à 10 ans, vous faites un suivi de cohorte, eh bien, sans véritable surprise, ce que vous allez découvrir, c'est que ceux qui ont des trajectoires professionnelles et des stabilisations professionnelles de meilleure qualité sont celles et ceux qui ont développé plutôt une formation, suivi une formation et donc développé des compétences plus génériques, plus transversales, par rapport à celles et ceux qui ont suivi des formations plus professionnalisantes et spécifiques. Et donc, on pourrait dire que de toute façon, dans l'intérêt général, il faudrait éviter d'être dans des logiques adéquationnistes stricto sensu, car en fait, si ça remplit et si ça satisfait à des besoins de très court terme, à moyen et long terme, c'est même contre-productif. Mais, et je termine là-dessus, vous le savez comme moi, l'horizon temporel des décideurs politiques est lié en général à l'horizon temporel de leur mandat, et leur mandat n'est pas de 10 ans. À moins évidemment d'envisager d'être reconduit sur deux mandats, ce qui arrive parfois. Mais en général, les horizons temporels sont beaucoup plus courts. Et donc, on est en recherche de réponses en apparence efficaces sur le court terme qui correspond au moment où on est aux affaires. Puis, advienne que pourra. Là où nous, chercheurs et chercheuses en sciences sociales, on n'est évidemment pas tenus par ces mêmes contraintes. Et nos travaux de recherche attestent au contraire que les choses ne sont pas
aussi, ne sont, excusez-moi, j'ai un appel auquel je dois. Les choses ne sont pas équivalentes et en tout cas ne sont pas si efficaces que cela. C'est plutôt au contraire en ayant des logiques sur des formations plus générales et transversales que l'insertion professionnelle s'opère à long terme. Merci Cédric, je pense que c'est le mot de la conclusion, je crois qu'il vient répondre hein, à certaines remarques et questionnements dans le chat. Hein. On voit bien que là, il faut qu'on avance aussi sur l'évaluation qualitative des formations et puis sur effectivement le suivi de cohorte dans le monde de la formation professionnelle. Peut-être que c'est là qu'il faut que nous, on agisse ensemble et qu'on aille plus loin en mobilisant probablement aussi le monde de la recherche. Voilà, écoutez, je vous dis vraiment merci Cédric, c'était très, très riche. Je pense que ça nous a apporté vous nous avez apporté des repères et puis des éléments de réflexion et puis des arguments, je crois, pour alimenter ce débat. Donc un grand merci et merci à tous. Et donc j'espère à très très bientôt pour un prochain webinaire. Et puis vous êtes bienvenus aussi, nous organisons donc une matinale nationale le 10 juin matin. Voilà, à très bientôt.